Bonjour, nous sommes la famille Rousseau. Aujourd'hui, nous voulons parler de nous et de notre culture. Notre famille est intégrée pas, mais du nièce, votre meilleure amie, et je suis votre tante. Bonjour, je m'appelle Adrienne Lefebvre. Je suis la meilleure amie d'Elise et d'Inaya. J'ai 21 ans. Je suis étudiante de danse à l'Université de Guyane. J'aime danser et manger du marzipan. Bonjour, je m'appelle Inaya Anelka. J'ai 24 ans. J'étudie la biologie marine à l'Université de Guyane. J'aime dessiner et voyager. Bonjour, je m'appelle Elise Anelka. J'ai 19 ans. J'étudie l'ingénierie environnementale. J'aime la nature et voyager. Bonjour, je m'appelle Merci Gossou, j'aime Vavne A, je suis professeur de littérature à l'Université de Paris, j'aime enseigner, j'aime voyager à travers le monde et visiter mes nièces à la Guyane. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir ma tante Merci. Elle est en France et vient donc visiter notre pays, la Guyane française. Je suis très heureux de les visiter. J'ai faim, j'ai entendu dire que les pois sont fumés. Comme mes atipas sont les plus riches du pays. Toutes ces cuisines sont plusieurs ingrédients en commun, les manioc, les viandes et les poissons boucanés. À Paquet, les Guyanais mangent les plats plus emblématiques de la Guyane, les bouillons d'Awara et les repas traditionnels du mariage des les Guyanais et les Colombos. Les boissons traditionnelles sont le rhum local, le chocolat créolé et le tea punch. Et sucrerie, nous avons les angos au matete, toutes sortes de confitures et de conserves. Celles-là sont plus délicieuses. Nous devons manger du poisson et du chocolat fait maison. Quelle chaleur! Oui, tante, nous sommes dans un zone tropical chaud et humide tout au long de l'année. En raison de la forêt tropicale humide et de plages, la température est très élevée. La végétation ici, ce sont des plages et des vasières, des mangroves, des marais, des savanes et des forêts tropicales humides. Je comprends. À juste titre de la chaleur. J'imagine que si l'on tient telle variété d'écosystèmes, ils auront aussi des animaux exotiques. Je vous déjà vois les sanctuaires des lions. Non, tante. En fait, nous avons un réserve naturel pour les tortues à la plage de la Mana, sur la commune de Wadajalimapo, dans l'ouest. C'est constitué pour les tortues marines en sorte de ponte exceptionnelle. C'est l'une des places importantes au niveau mondial pour la tortue l'eau. Ici, les gens ont beaucoup d'animaux. Les gens guyanais sont très sympathiques et roux. Quel genre de musique écoutez-vous ici? Oui, tante. La musique guyanais est une musique très riche et variée de plusieurs styles et cultures. Les kazeko est le genre musical traditionnel le plus emblématique de la Guyane. Tante, voulez-vous écouter un peu du kazeko? Yes, quelle belle musique est très festive et joyeuse dans le pays. Il y a des fêtes et des célébrations. Nous célébrons le carnaval de Cayenne. Il existe plus costumes traditionnels qui représentent des figures mythiques du carnaval guyanais, les Touloulou, les Necmarons et les Jefaran. Inaya, Andrienne et Liz, il semble très intéressant que le festival soit en allusion à l'esclavage. La littérature de ce pays parlait de cela. Dans ce type de littérature, la question de l'esclavage et de plusieurs problèmes sociaux sont abordés. Dans la littérature guyanaise, l'oralité est très importante et nous pouvons trouver des histoires, des légendes, des fables et d'autres romans. Wow, c'est super! La littérature est un de mes hobbies, tout comme le cyclisme. Vous aimez le cyclisme? Oui, j'adore le cyclisme. Je m'entraîne tout le temps parce que je veux participer au Tour de Guyane. Le Tour de Guyane est une compétition cycliste par étapes, mais ils ne sont pas les sous-exports. On pratique aussi le foot, le basket, la natation, le handball et même le soccer machin. À quelle fréquence vous entraînez-vous? En fait, maintenant je dois m'entraîner, donc je dois y aller. Au revoir, merci d'être venu. Vous devriez aller au centre spatial. Génial, j'aimerais connaître les endroits touristiques que ce pays a. Oui, nous pouvons aller au centre spatial. Là, nous pouvons visiter les musées aéronautiques et voir les interactions. Et si nous avons la chance, voir un lancement. On pourrait aussi aller à la plage de Wallagalimapo pour voir les tortues qui pondent leurs œufs. Ou on peut aller aux îles du Salut, qui sont un groupe de trois petites îles, l'île Royale, l'île Saint-Joseph et l'île du Diable. Merveilleux, nous allons dans tous les endroits, Emogon, les Lactipir, Jambit.
Génial, allez!